Alléluia. Si nous triomphons, c'est parce que tu as frayé un chemin. Et ce chemin, Seigneur, tu l'as frayé par ton œuvre à la croix. Voilà pourquoi nous ne cesserons de te louer et de te rendre grâce. Merci pour cette œuvre parfaite, une œuvre que tu as faite pour nous, une œuvre que tu as accomplie par amour pour nous. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième jour, jour de nos 21 jours. Hier, nous avons commencé notre programme. Et nous louons le Seigneur qui a été avec nous depuis le matin, aujourd'hui encore. Ce programme a commencé depuis 9 heures. Et Dieu bénisse tous ceux qui se disposent à vraiment venir passer du temps dans la présence de Dieu. Vous le savez, on ne cherche pas Dieu en vain. Quand on le cherche, on le trouve. Amen. Je voudrais, avant de pouvoir partager la parole de Dieu, prendre un moment de prière. Comme on l'a annoncé hier, mes frères, nous avons besoin de la grâce et du soutien de Dieu pour ces 21 jours. Vous savez, ce n'est peut-être pas facile, surtout quand on jeûne. Les trois premiers jours, c'est éprouvant, c'est un peu fort, on se sent faible. On a besoin de la force de Dieu, on a besoin de rester concentré du début à la fin, afin que nous ne rations pas ce moment. Je vous invite donc à courber vos têtes dans la prière. On va tous se recommander entre les mains de Dieu. Demandons à Dieu sa force, son soutien, son appui. Nous ne sommes qu'au début de ce programme et nous avons besoin que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous fortifie. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi, rester dans ta présence, manger à ta table, être environné de ta gloire, dans ta présence, rester toujours plus près de toi.
toujours près de toi. Toujours près de toi, mon Dieu. Alléluia. C'est notre prière, Seigneur. Nous voulons demeurer auprès de toi. Nous voulons être là où tu es. Nous voulons, Seigneur, te consacrer ces 21 jours. Chaque jour qui passe compte. Et nous avons besoin chaque jour d'avoir la lucidité qu'il faut, d'avoir la concentration qu'il faut. Seigneur, d'être là, présent, comme on le dit, dans ta présence. Voilà pourquoi nous prions pour que tu nous donnes la force. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous soutiennes. Nous prions pour que tu nous accompagnes chaque jour qui passe. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton appui, Seigneur. Je prie pour celui qui se sent faible. Merci de le fortifier. Je prie pour tout celui, Seigneur, qui n'arrive pas à se concentrer. Merci de nous donner la concentration. Car dans ce marathon, nous voulons tous ensemble aller d'un même pas. Nous voulons tous ensemble marcher ensemble. Et Seigneur, aller jusqu'au bout. Afin que lorsque nous sortirons dès ces instants, Seigneur, que nous sortions tous bénis. Merci Père, parce que tu es là. Le Saint-Esprit est là et il nous accompagne. Merci pour sa présence qui chaque jour nous rapproche davantage de toi. Nous aide à te connaître. Saint-Esprit, merci. Merci de nous ouvrir l'intelligence, la compréhension. Merci Saint-Esprit de nous parler. Merci Saint-Esprit de nous diriger. Merci Saint-Esprit de nous conseiller, de nous orienter. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Au nom de Jésus, nous te prions de bénir ta parole que nous voulons recevoir maintenant. Nous demandons, Seigneur, que tu nous parles une fois de plus. Nous prions que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Nous prions que cette parole, Seigneur, nous ouvre les yeux, nous ouvre l'intelligence. Nous prions que cette parole nous aide à connaître tes voies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous saluons également ceux qui nous suivent en direct. Partout où vous êtes, recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons annoncé hier notre grand thème que nous partageons. C'est le même thème de l'année, mais également du mois de janvier. Aller plus loin avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu. Et c'est le thème dans toute la communauté que nous partageons dans ces 21 jours. Notre prière est que chacun de nous aille plus loin que là où il est avec Dieu. Et hier, d'entrée de jeu, nous avons commencé à développer un sous-thème, comment réussir son jeûne. Comment réussir son jeûne. Car nous avons dit qu'il est important que nous réussissions ce programme, surtout que c'est pendant 21 jours que nous allons jeûner. Il est important de comprendre les contours attachés au jeûne. Et bien aimé, dans le souci de réussir, comment nous devons jeûner, j'aimerais lire avec vous le texte qui parle du vrai jeûne. Nous sommes dans Ésaïe 58. Prenons tous Ésaïe 58. Ésaïe 58 nous parle du vrai jeûne. Comment nous devons jeûner comme le veut la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 58, nous allons lire quelques versets seulement. Nous allons prendre à partir du verset 3. Et nous allons aller jusqu'au verset 8. Ésaïe 58, du verset 3 jusqu'au verset 8. J'espère que tout le monde a trouvé. Nous lisons.
Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Ainsi, bien-aimés, pour réussir son jeûne, nous avons besoin d'intérioriser ces choses qui sont écrites ici. Il est vrai que quelquefois la compréhension de ces choses n'est pas facile, puisque les termes qui sont employés ne nous sont pas familiers. Mais nous avons depuis hier commencé à élucider cela, à essayer de comprendre ce que Dieu est en train d'essayer de nous dire là-bas. Et je ne reviendrai pas sur les définitions, mais nous avons dit, mes frères, qu'il y a une mauvaise manière de jeûner, il y a aussi une bonne manière de jeûner. Nous avons vu la mauvaise manière de jeûner, jeûner de manière hypocrite, dans le but de se faire voir, un jeûne qui prend appui sur l'apparence. Nous avons parlé du jeûne comme moyen de pression sur Dieu, qui est une autre mauvaise façon de jeûner. On pense que puisque l'on a jeûné, Dieu est obligé d'agir. Et troisièmement, nous avons vu le jeûne par légalisme. Le jeûne devient une loi qu'on s'impose, qu'on doit absolument observer. Et sans cela, il est impossible que Dieu agisse dans nos vies. C'est une mauvaise manière de considérer le jeûne. Le jeûne, nous avons vu aussi, c'est lui qui est pratiqué comme moyen de mortification de notre corps, comme le font les ascètes, ceux qui pensent que tout ce qui est matériel et principalement le corps est méprisable et il est source de tous les vices. Mais également, il y a une bonne façon de jeûner que nous avons vu hier. Et c'est cela que la Bible nous dit ici. Et ça tourne autour de deux choses. Le jeûne comme libération. On utilise des verbes ici qui nous donnent la définition de ce que doit être un vrai jeûne. On dit détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et quand vous lisez très bien ces textes, vous verrez que celui qui doit détacher les chaînes de la méchanceté, qui doit dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés, c'est celui-là qui veut jeûner. Parce que n'oubliez pas, ici, cette parole est adressée à Israël. Israël, par la coutume, les habitudes, et ils étaient tellement habitués à cela qu'ils sont tombés dans un légalisme. Ils commençaient à faire des choses pour les faire, mais la vie qui était contenue n'y était plus, puisqu'ils avaient perdu le sens profond même du jeûne. Pour eux, c'était une pratique à observer, mais dans le cœur, ils vivaient mal. Ils se comportaient mal. Ceux qui étaient maîtres avec des ouvriers maltraitaient leurs ouvriers. Certains opprimaient les autres. Ils asservissaient les autres. Alors Dieu dit non, 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 non. Le vrai jeûne ne consiste pas seulement à se priver de la nourriture. Oui, vous vous privez de nourriture. Mais en plus de cela, il faut que votre attitude change. Alléluia. J'aimerais que vous sachiez une chose. Le vrai jeûne tourne principalement autour de deux axes. Si vous voulez réussir votre jeûne, il y a deux axes majeurs dont vous devez tenir compte. Premièrement, il y a la motivation. La motivation ou les motivations qui vous poussent à jeûner. Et deuxièmement,
il y a le comportement que vous avez durant le jeûne. La motivation et le comportement. Ce sont ces deux axes qui déterminent si vous réussirez votre jeûne ou pas. Et vous voyez, dans le texte qu'on vient de lire d'Ésaïe 58, on nous parle de cela, de la motivation. Le verset 3, écoutez, nous interpelle. Il dit, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ?» En d'autres termes, doit être de toucher le cœur de Dieu. Doit être d'attirer l'attention de Dieu dans notre jeûne. Et j'espère que quand vous jeûnez durant ces 21 jours, vous avez cette préoccupation dans votre cœur. Que Dieu approuve mon jeûne. Parce que si vous jeûnez simplement par légalisme, parce qu'il faut jeûner, il faut participer à ce programme, bien aimé, vous passerez à côté. Et vous voyez que ce texte nous instruit et nous montre qu'il est possible de jeûner, mais sans que Dieu ne le voie, sans que Dieu ne le considère. Et ça, c'est une tragédie, parce que vous aurez fait 21 jours de jeûne, pensant que Dieu vous a agréé, vous a approuvé, mais il n'en est rien. Et ça, c'est triste. Que Dieu ne le permette pas pour toi, mon frère. J'ai dit que Dieu ne le permette pas pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il te faut comprendre ce que tu dois exactement faire pour réussir ton jeûne. Et lorsque ici, on nous dit, voici le vrai jeûne auquel je prends plaisir. Dieu parle là du comportement. On a dit cela. Un jeûne comme libération. Qui est-ce que le jeûne doit libérer? C'est celui qui jeûne. Et hier, nous l'avons dit, il y a sur nous toute espèce de joug. Par exemple, de la rancœur, du manque de pardon, des attitudes répréhensibles que Dieu n'approuve pas, des choses qui nous asservissent, des péchés qui nous tiennent. C'est cela. La Bible dit, détache les chaînes. Tu dois être capable de te détacher de cela. Ce mauvais cœur que tu as quant à ton prochain. Cette mauvaise façon de se sentir mal à l'aise quand on voit telle ou telle autre personne, quand on voit telle personne bénie, telle personne évoluer, on se sent, on jalouse l'autre. Ça, ce sont des attitudes, des comportements que Dieu n'aime pas, Dieu n'approuve pas. Parce qu'Israël jeûnait par légalisme. Il fallait jeûner parce que c'était l'époque du jeûne. Il fallait. Mais là, il maltraitait les autres. Et Dieu dit, non, ces comportements-là, je ne peux pas l'approuver. Je ne veux pas juste me limiter à accepter votre jeûne parce que vous ne mangez pas. Ce n'est pas le fait de ne pas manger, moi, qui m'attire le plus. Mais c'est comment vous vous comportez. C'est votre motivation durant ces instants-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est très important. Donc, ça tourne autour de cela. Ainsi donc, ce soir, j'aimerais qu'on commence par parler de pourquoi nous devons jeûner en tant que chrétiens. Pourquoi un chrétien doit-il jeûner autrement dit? Pourquoi nous devons jeûner? Et ici nous traitons la question de la motivation. Pourquoi devons-nous jeûner? Je donnerai quelques raisons, deux ou trois. La première, c'est que nous devons jeûner parce que le jeûne nous permet de crucifier la chair et de la sujettir et permet à l'Esprit de Dieu de s'exprimer en nous. Crucifier la chair et l'assujettir. Et permettre à l'Esprit de Dieu de s'exprimer en nous. Quand vous lisez le texte de Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 24, la parole de Dieu nous montre que la chair a des désirs contraires à l'Esprit. Et la Bible nous appelle à ne pas être des hommes charnels, mais être des hommes spirituels. Et si nous voulons marcher par l'esprit, être des hommes spirituels, nous devons crucifier la chair. Et l'un des moyens par lesquels nous crucifions la chair et nous la sujettissons, c'est par le jeûne. Alléluia. Ésaïe 58, verset 3 qu'on a lu tout à l'heure, nous dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? La suite dit, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. C'est-à-dire que c'est sous-entendu que pendant le moment de jeûne, nous mortifions l'âme. Nous mortifions notre chair. Nous lui privons de ce qui est prioritaire pour nous. Une façon de dire à notre chair, c'est vrai, nous devons manger par devoir et nous aimons manger. Mais pour Dieu, je m'en prive. Parce que je veux que Dieu
domine plus sur moi qu'autre chose. Alléluia. C'est cela, crucifier la chair. En d'autres mots, c'est se consacrer à Dieu. Le jeûne est une des voies par lesquelles nous nous consacrons à Dieu. Se consacrer signifie se mettre à part pour Dieu. On se détache dans la consécration. Il y a la notion de la séparation. Le mot séparation. On se sépare de tout ce qui est vil, de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impur pour se disposer à Dieu. Et jeûner est une façon de nous contraindre nous-mêmes à pouvoir nous détacher des choses viles, des choses impures, des choses souillées, des choses que Dieu n'approuve pas, pour nous disposer à vivre selon Dieu, à marcher selon Dieu. Et c'est pour ça principalement que nous jeûnons. Ça, c'est une bonne motivation. Quelqu'un peut dire amen. Toujours dans l'esprit du jeûne comme libération. C'est-à-dire, tu regardes en toi, tu vois qu'il y a encore des choses qui te poussent à marcher de manière charnelle. Tu es encore dans les disputes, tu es encore dans les querelles, tu es dans les rancunes, tu pardonnes difficilement, tu es blessé pour un rien. Pour un rien, tu traites mal les autres, tu parles toujours en mal des autres, tu critiques. Toi, c'est toujours des mauvaises critiques, des mauvaises critiques. Vous voyez? Quand tu réalises des choses comme ça, jeûner est une manière de discipliner ces côtés-là. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des œuvres de la chair. La Bible nous cite les œuvres de la chair. Vous avez cela dans Galates chapitre 5. On nous parle des œuvres de la chair. Écoutez ce que la Bible dit sur les œuvres de la chair. On nous dit, Galates chapitre 5, nous lisons à partir du verset 16. Il est écrit, je dis, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les voici, l'impudicité. Vous voyez? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, tout ça est lié au péché sexuel. Tu n'arrives pas à te maîtriser dans ces domaines-là. Tu as besoin de jeûner, de prier Dieu, de demander la grâce de Dieu dans ce domaine pour discipliner ce côté-là. Car si tu ne le disciplines pas, bien-aimé, tu peux hypothéquer ta destinée. Alléluia. Et également, on ajoute l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui sont idolâtres. C'est vrai, on ne va pas aller se prosterner devant des statuettes. Mais il y a des choses que nous préférons et des fois qui font la guerre à notre amour pour Dieu. Nous devenons idolâtres des hommes, de l'argent, des choses de la terre. Idolâtre. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons jeûner. La pratique de la magie, l'occultisme, les inimitiés. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu drôle de parler d'occultisme au milieu des chrétiens. Mais vous ne savez pas qu'il y a beaucoup qui le pratiquent. Il y a des gens ici, quand ils ont des problèmes à la maison, ils se font les féticheurs qu'ils se tournent. Et il y a des gens qui vont voir des soi-disant prophètes, mais ce sont des diseurs de bonne aventure. Quelque chose se perd à la maison. Ah, toke o talisa. Ça, ce sont des pratiques occultes. Un enfant de Dieu ne peut pas penser à aller consulter un autre Dieu que son Dieu. J'ai été choqué. J'ai étudié à l'université chrétienne de Kinshasa où j'ai fait mon université. Et une fois, université chrétienne, en faculté de théologie, on appelle ça université chrétienne. Mais un jour, on a volé de l'argent. Il y a eu un cambriolage à l'université. Et vous savez, qu'est-ce que le conseil d'administration a décidé? De faire appeler les féticheurs de la police. Le féticheur est venu là-bas. Oh, il a sorti un miroir, il a vu toute la scène. Et puis on a arrêté les gens. Dans une université chrétienne, on était scandalisés. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants de Dieu qui pratiquent l'occultisme. C'est les amoureux de l'astrologie. C'est de l'occultisme. Dieu déteste l'astrologie. Dieu nous demande de rejeter l'astrologie.
tu t'appelles, oh non, parce que tu es né en ceci, tu es taureau. Est-ce que tu as vraiment l'air d'un taureau, toi? Vermisseau. Ou lion, ou je ne sais pas moi quoi. Cancer. Tu sais, et puis tu es étonné d'attraper des cancers. Alléluia. Ah non, qu'est-ce que ma page astrologique a dit? Ces histoires-là que vous voyez dans Facebook aujourd'hui. Où vous jouez avec une application qui vous donne votre identité. Mais ce sont ces choses-là qui nous rapprochent de l'astrologie. Bien-aimé, pour connaître ton identité, tu n'as pas besoin que Facebook te le dise. Et ça révèle même du narcissisme en nous. Parce que quand tu vas jouer à ça, on va te dire, toi tu es le genre de personne qui n'accepte jamais des bêtises. Toi tu es le genre de personne, voilà, tu es appelé à être un chef. Et puis finalement tu deviens friand de cela. À chaque fois tu vas recourir à ça. Pour connaître ton identité, tu n'as pas besoin de Facebook. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ. Amen, amen. Faites attention avec ces choses. Aujourd'hui, il y a même des propositions sur les nets. Tu veux connaître ton avenir? Tu veux connaître ce qui t'arrivera cette saison? Cette année 2020. Et il y a des chrétiens qui jouent à ça. C'est de l'occultisme. Ça entre dans les cadres de la magie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, même dans la maison de Dieu. On a toujours des gens qui réfléchissent par esprit de sectarisme. Ah, nous sommes de telles tribus, nous sommes de tels partis politiques, nous sommes de telles personnes. On se considère être d'un groupe au détriment des autres. C'est le sectarisme. Ce sont des divisions. Ces choses ne sont pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Paul, dans l'église, il y avait cela. Des fois, on tombe dans un sectarisme parce qu'on a une préférence. Ah, dans l'église, il y a des gens qui préfèrent quand c'est le pasteur qui prêche. Si le pasteur n'est pas là, il n'y a pas culte. Ah non, moi je préfère quand c'est maman Fifi qui prêche. Si maman Fifi n'est pas là, il n'y a pas culte. Moi je préfère quand c'est le frère Patrick qui prêche. Vous voyez, c'est du sectarisme, c'est un esprit de division. Dieu a donné toutes ces grâces-là à ces personnes-là pour qu'ensemble elles travaillent pour l'édification du corps. Qui êtes-vous, vous, pour diviser cela? Alléluia. Alléluia. Qui êtes-vous pour diviser cela? Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Voilà les œuvres de la chair. L'ivrognerie. On est en Christ, mais oh, on boit toujours. Et on s'enivre. Et puis vous avez des gens qui vous disent, non, moi je contrôle la situation. J'ai entendu quelqu'un dire, non, mais moi je prends du vin, je prends 5 litres de vin par jour, mais je suis toujours lucide. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un alcoolique. Oui, c'est un alcoolique, il avoue, il fait un aveu de son alcoolisme. Amen, amen. Les excès d'état, l'envie, le désir de posséder tout ce que l'on voit, tout ce que l'on désire, l'envie, on en vit. On se préfère dans la peau de l'autre, si j'avais ce qu'il a. Tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair doivent être crucifiées. Pour qu'elles soient crucifiées, le jeûne est une voie par excellence. Jeûnez pour ça, mes frères. N'allez pas à la montagne seulement pour chercher les mariages. N'allez pas à la montagne seulement pour prier pour la mort de vos ennemis. Non, ce n'est pas biblique. Allez à la montagne, priez sur vous-même. Que Dieu vous change. Que Dieu vous délivre de toutes ces choses qui empoisonnent votre relation avec lui. Toutes ces choses qui diminuent votre engagement avec Dieu. Allez jeûner pour ça. Priez pour ça. À l'époque où je me suis converti, c'était courant de voir des chrétiens, un enfant de Dieu qui n'arrive pas à abandonner un péché. Il se retire, il va prier, il va jeûner, pleurer devant Dieu pour que Dieu l'aide et le délivre d'un péché qu'il n'arrive pas à abandonner. Mais aujourd'hui, c'est devenu rare de voir un chrétien qui va jeûner pour un péché qu'il n'abandonne pas. Oh! Impossible aujourd'hui.
Que Dieu nous aide, mes frères. Alléluia. Nous devons comprendre les voies de Dieu. Pourquoi devons-nous jeûner? Deuxièmement, nous devons jeûner pour nous humilier devant Dieu. C'est-à-dire, c'est un moyen de se faire petit devant Dieu. Nous humilier. Ésaïe 58 nous le dit. Le verset 5 dit, quand vous lisez, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Soulignez cela. Un jour où l'homme humilie son âme. L'on doit jeûner pour humilier son âme. Se faire petit devant Dieu. On peut s'humilier à travers le jeûne pour se repentir devant Dieu. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je pratique toujours telle chose. Je n'arrive pas par moi-même. Je suis incapable de regarder une femme normalement. Je dois toujours la convoiter. Seigneur, enlève-moi cette façon de faire. Seigneur, je suis vraiment le pire des hommes. On s'humilie. Tout le monde voit en moi un chrétien zélé, mais tu me connais mieux que tout le monde. Tu sais que ça, c'est l'apparence. Mais dans le fond, je suis rongé par le mal. Tu t'es fait petit devant Dieu. Tu t'humilies devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je suis un impudique. Tu pries devant le Seigneur. On peut donc jeûner pour s'humilier dans la repentance. Dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 6, la parole de Dieu déclare, 1 Samuel 7, verset 6, il est écrit, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Vous voyez? Ils jeûnèrent ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans ce jeûne? Nous avons péché contre l'Éternel. Bien-aimés, soyez humbles devant Dieu. Soyez sincères. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Dieu connaît ta taille. Dieu connaît ta vie. Sois sincère dans tes prières. Quand tu jeûnes, reconnais ton orgueil. Reconnais cette attitude que tu as de regarder les autres de haut. Reconnais-le et implore la miséricorde de Dieu. Alléluia. Nous voyons encore dans Jonas, chapitre 3, le verset 7 à 8. Jonas 3, 7 à 8. Et ils firent faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pêchent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça, c'est extraordinaire. Jonas va prêcher à Ninive, un puissant réveil se manifeste par la grâce de Dieu. Et il décrète un jeûne. Non seulement les hommes jeûnent, même les animaux jeûnent. Alléluia! Les animaux ont jeûné aussi. C'est pour vous dire les degrés du réveil qu'il y avait. Et ici, pourquoi ils ont jeûné? C'était pour se repentir, pour reconnaître leur mauvaise voie devant le Seigneur. Bien-aimé, quand on jeûne, on doit humilier son âme. C'est pourquoi en Israël, on se mettait dans la cendre et on portait le sac. Vous voyez? C'était une façon de s'humilier devant Dieu. Mais après, Dieu n'a plus approuvé ça. Pourquoi? Parce que les gens qui le faisaient commençaient à faire la pratique de manière extérieure, mais leur cœur était loin de là. Je vous ai toujours dit, mes frères, tout ce qui concerne Dieu doit absorber notre cœur. Si ça ne touche que notre extérieur, ça n'intéresse pas Dieu, ça ne l'attire pas. Tu vas avoir l'approbation de Dieu. Il faut que ce que tu fais vienne du cœur. Il faut que ton cœur soit touché. Il faut que ce soit de tout ton cœur. Quand tu pries, il faut que ce soit de tout ton cœur. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, de tout votre cœur. La tête a sa place, l'intellect a sa place, le cerveau a sa place. Mais il ne peut pas nous permettre de rencontrer Dieu. On ne touche pas Dieu avec l'intelligence. On touche Dieu avec le cœur. Alléluia. C'est ainsi que, lorsque vous jeûnez, humiliez votre âme.
Reconnaissez vos fautes, humiliez-vous, pleurez sur vos péchés, repentez-vous. Demandez à Dieu, Seigneur, ces péchés que j'ai pratiqués en 2020, je ne veux plus les retrouver cette année. Fais-moi grâce, Seigneur. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie chrétienne. Et vous allez remarquer, peu à peu, le Seigneur vous aidera et vous vous sanctifierez. Vous remarquerez que ces choses que vous faisiez autrefois, vous ne les faites plus. Pourquoi ? Parce que vous avez découvert l'art de jeûner pour se consacrer à Dieu ou pour s'humilier devant sa face. Troisièmement, nous devons jeûner pour demander l'intervention de Dieu dans nos vies. L'intervention de Dieu. Que Dieu intervienne. C'est ici que nous lui apportons des requêtes, des sujets de prière pour un domaine particulier de notre vie. Dans Esther chapitre 4, le verset 16, nous le voyons, Esther 4, 16. Esther dit à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Israël était menacé d'extinction. Un homme s'était levé pour une des autorités, la seconde personnalité du pays, après le roi. Avait décidé d'en finir avec tous les juifs, de décimer cette race. Et il fallait qu'on fasse quelque chose. Mardoché va interpeller Esther, qui est devenue reine, en lui disant, ne fais pas semblant, tu es aussi juif. Et tu sais que c'est ton peuple qui est menacé. Au début, Esther donne des raisons. Ah non, vous savez, ici, non, le roi a donné une loi, je ne peux pas aller vers lui dans sa présence, s'il ne m'appelle pas, de peur que je périsse, ainsi de suite. Mardoché lui dit, ne t'imagine pas que tu seras épargné. Si on doit décimer tous les juifs, tu es juif, le jugement tombera aussi sur toi. Mais qui c'est si Dieu t'a élevé à la royauté pour des moments comme ceci. Comprends que tu n'es pas là-bas pour rien. Entre parenthèses, ce texte nous enseigne que Dieu ne fait jamais rien pour rien dans la vie de ses enfants. Aujourd'hui, si Dieu permet que tu accèdes à un rang élevé en dignité, tu dois comprendre pourquoi Dieu l'a permis. Tu touches un peu d'argent, tu dois comprendre pourquoi. Dieu a une œuvre, il faut que cette œuvre avance. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent comprendre cela. Quand Dieu t'est béni, souviens-toi de son œuvre. Souviens-toi de son œuvre. Ce n'est pas juste pour te faire valoir, te faire voir, pour que tu aies un bon CV dans ta vie. Mais Dieu le fait parce qu'il veut que son œuvre aille de l'avant. Et c'est ce que Mardoché rappelle à Esther. Et finalement, Esther s'est ressaisie, elle comprend. Alors là, elle dit à Mardoché, allez jeûner. Jeûnez pour moi. Pourquoi ? Je vais aller affronter le roi. Malgré la loi qui est donnée, jeûnons 3 jours. Prions. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Tous les peuples juifs, jeûnons. On a besoin de l'intervention de Dieu. Devant cette affaire, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et c'est là où ils jeûnent. Ils ont jeûné, ils ont jeûné, ils ont prié. À l'issue des 3 jours, Esther se décide d'aller voir le roi. La loi était claire. Quand le roi ne t'a pas fait appeler dans sa cour, tu ne peux pas entrer. Et de peur d'être châtié. Et vous savez, les châtiments, la plupart de ce temps-là, c'était la mort, la peine de mort. Mais cette fois-là, après le jeûne, alors qu'Esther entre, le roi voit sa femme, le roi change d'attitude. Il lui accorde la faveur d'entrer. Où est-ce qu'Esther a obtenu cette faveur? Parce qu'elle était belle? Parce qu'elle était la femme du roi? Non, les jeûnes qu'elle avait faits avec son peuple a agi. Dieu est intervenu. Dieu a touché le cœur de ce roi. Et a fait que le roi s'est plié à sa demande. Alléluia. De la même manière, nous devons jeûner pour demander l'intervention de Dieu. Quand nous sommes en proie à des défis, à des combats, à des situations qui semblent nous dépasser, nous pouvons prier, mais quelquefois, nous sommes appelés à associer cela au jeûne. Pourquoi ? Notez-les bien. Le jeûne renforce la prière. Le jeûne renforce la prière. La prière a sa place, mais le jeûne vient renforcer la prière. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe 58, verset 4, la Bible dit, « Voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » Pour que votre voix soit entendue où ? En haut, il y a qui ?
Dieu. Vous voyez? C'est sous-entendu que quand on jeûne, le désir que l'on a, c'est que Dieu entende notre voix. Et je prie Dieu, durant ces 21 jours, qu'il entende ta voix. Qu'il entende ta voix, mon frère. Qu'il entende ta voix, ma soeur. Qu'il entende les cris de ton cœur. Et qu'il intervienne miraculeusement. Que ces soucis-là qui t'enlèvent la paix, ces choses-là que tu as longtemps entendues, que Dieu te fasse grâce. Qu'il entende ta voix et que l'intervention descende. Qu'il te donne un témoignage qui t'aidera à l'aimer encore plus, à croire davantage en lui et à le servir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit encore dans Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21, nous voyons encore comment le jeûne renforce la prière. Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Au verset 21, il ajoute, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par la prière et par le jeûne. Jésus confirme ici que le jeûne renforce la prière. Entre parenthèses, il y a une très mauvaise interprétation de ces textes qui a poussé des gens à en faire même une doctrine. Au point que, aujourd'hui, l'on pense que quand on a affaire à un démoniaque, c'est le démoniaque ou la personne qui est malade, qui souffre, qui doit jeûner. C'est faux, mes frères. C'est faux. C'est celui qui veut prier pour. C'est celui qui veut prier pour la personne qui est démoniaque, qui jeûne. Quand Jésus disait cela, lui-même était dans un état de jeûne. Il n'a pas demandé à cet enfant de jeûner. Et ce démon-là n'est pas parti parce que cet enfant avait jeûné. Il faut bien comprendre les Écritures. Il ne faut pas les tordre. Amen, amen. Ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un qui est possédé des esprits, vous le faites jeûner. Oh non, comme ça, dans l'état de jeûne, on va affaiblir les démons. C'est faux! Ce n'est pas biblique. Dites amen. Dites amen. Et aujourd'hui, on en a fait des doctrines. Il y a des gens qui ont outrepassé, des personnes qui sont mortes à cause de ces mauvaises pratiques-là. C'est tout simplement un manque d'amour. Soi-même, on ne jeûne pas, mais on va faire jeûner celui-là. Ah, mais il doit payer les prix. Lui-même. Et on est prêt à donner aux gens des exercices difficiles que vous-même, vous ne feriez pas. Que Dieu nous aide, mes frères. Alléluia. Donc, nous voyons ici, on apporte à Jésus un enfant possédé d'un démon. Les disciples essayent de chasser cet enfant. Ils n'y arrivent pas. Et ils sont étonnés. Ils s'inquiètent. Ils vont à Jésus. Mais Seigneur, comment nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus leur dit clairement, vous n'avez pas pu chasser à cause de votre incrédulité. La principale chose qui a fait que les démons n'est pas parti, c'était l'incrédulité de ces gens-là, de ces disciples. Parce que c'est vrai, mes frères, il y a un moment donné, même quand on chasse les démons, on n'a pas la foi. Hein? Ça vient de formuler, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelquefois, on a vu ça. Vous allez dans des lieux de délivrance, des salles, des brèches, mais vous trouvez là-bas, c'est plus que du théâtre. Les gens courent dans tous les sens. Oh, les gens vont ceci. Ah. Les démoniaques fuient. On ne comprend pas que c'est une question de foi. Nous ne chassons pas les démons avec notre force. Nous ne chassons pas les démons avec nos compétences et nos atouts naturels. Nous utilisons l'autorité de Christ. Et quand on a l'autorité, on n'a pas besoin de s'agiter. Lorsqu'on est autoritaire, on donne un ordre. Et celui à qui on donne l'ordre doit obéir. Il n'a pas d'autre choix. Bien souvent, quand on chasse les démons dans la vie d'un démoniaque, certains, eux-mêmes en chassant, ne croient pas que les démons vont partir. Tu vois, les chasseurs des démons, ils chassent. Et puis après, ils s'arrêtent. Quand ils vont commencer, toi-même, tu disais cela et tu ne crois pas. On a besoin de la foi principalement. Dites amen. Croire dans l'autorité de Dieu. Croire dans la puissance de Dieu. J'ai toujours comparé l'autorité à comment George Bush a
a demandé à Saddam Hussein de quitter le pouvoir. Certains n'étaient pas nés à cette époque. Lorsque le président George W. Bush, président des États-Unis d'Amérique, demanda à Saddam Hussein, président de l'Irak, de quitter le pouvoir. Je n'ai pas vu à la télé, on a montré un George Bush qui criait, « Saddam, tu dois quitter, si tu ne quittes pas, tu verras ce qu'on va faire, tu verras ce que c'est !» Sûr de sa force de frappe, il avait déjà infiltré l'Irak. Un jour, ils étaient devant un cas démoniaque. Un frère qui crie, « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus !» Il lui dit, « Once is enough. » Une seule fois, c'est suffisant. Vous imaginez Jésus lui-même en train de chasser les esprits. Il crie sur eux, il crie. Non, un seul ordre. Nous devons soupirer après cette dimension-là. Dites Amen. Dites Amen. Une autorité ne va pas transpirer. On a vu des cas de démoniaques. Tina Mingongo et Ziki. Au moins, chasseur de nos lembi. Bameli Pema. Demoiselle, Babino Boko Kangate. Bokendo Lokelanga Pasteur Nabino. Et puis, Bango Pavai Bengi Pasteur Aya. Ah! Un jour, on a vécu ça à l'intercession à Lemba. Les démoniaques ont commencé à manipuler les intercesseurs. Aucun de vous n'a la force de appeler les pasteurs. Ils viennent me dire, pasteur, les démons. Je dis, mais maintenant, vous obéissez à qui? Donc, les démons vous donnent des ordres maintenant. Vous voyez comment vous jouez les jeux du diable? Il y a beaucoup d'erreurs dans les domaines des délivrances, surtout au Congo. Vous chassez des démons, vous allez leur poser la question. La Bible dit que quand Satan parle de tout son fond, c'est du mensonge qui sort de sa bouche. Et puis un démoniaque retourne, Yonani, sur ce qu'il y a mis, Ngaï Naza, Tatanayo. C'est comme ça que le papa va souffrir. Oui. Je connais une église où on a posé la question au démoniaque, Yonani, Abinga, maman pasteur. Oh. Je ne vous dis pas comment la pauvre maman pasteur a souffert. Azando ki, toyeba ki kaka, toyeba ki. Et le diable, c'est ça son rôle, vous distraire. C'est ça son rôle. Vous amener à côté de la plaque pour vous embrouiller. Je n'ai pas besoin de recevoir une déclaration de la part d'un démon. Les démons, il faut le chasser et avoir la foi qu'il part. Et c'est ce que Jésus essayait de dire à ses disciples. Vous n'avez pas pu chasser parce que c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi, vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi de là, jette-toi dedans. Et cela se fera ainsi. Il leur dit, et rien ne vous sera impossible. Bien-aimés, nous devons avoir la foi biblique, la foi de Dieu, qui consiste à croire dans ce que l'on dit et à dire ce que l'on croit. Amen, amen. Et puis quand ils viennent à Jésus, Jésus lui-même s'élève, il donne un ordre, l'esprit part. Et puis ils s'étonnent, ils disent, mais Seigneur, comment nous on n'a pas pu chasser? Il leur dit à cause de votre incrédulité, mais la deuxième raison qu'il sort, il dit parce que aussi, ces démons-là, ils sortent par la prière et par le jeûne. En d'autres termes, quelquefois, il y a besoin que les chasseurs des démons jeûnent. Il a prié, mais il doit aussi être dans un état de jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne renforce la prière. Et je prie Dieu que le jeûne que tu observes durant ces 21 jours renforce ta prière au nom de Jésus. Là où la prière seule n'a pas pu déplacer des montagnes, n'a pas pu appeler l'intervention de Dieu, mais avec le jeûne associé, que des montagnes se déplacent, que des collines se renversent, que des voies s'ouvrent et que la manifestation de la gloire de Dieu soit évidente. Je dis Amen. Dis encore Amen. Amen plus fort. Bien-aimés, voici les ennemis du jeûne. Quelques ennemis importants à connaître. Je cite, et ce sont même les ennemis du chrétien. La chair. Premièrement, la chair. La chair. Notre nature humaine, le vieil homme. C'est notre plus grand ennemi. Parce que quand tu jeûnes, ou avant de jeûner, la chair te dira toujours, j'ai faim, j'ai faim, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis sûr qu'il y en a qui entendent leur chair parler. Je vois quelquefois des frères et sœurs, quand ils marchent, c'est vraiment les vents qui les conduisent. Vous sentez que Azokekan a mon pépé. Surtout quand on arrive vers les 15e jour, les 20e. Moussoumo Laka, il parle trop d'habitude à l'église. Les pauvres modérateurs souffrent. Levez-vous.
J'accepte selon mon entendement, mais ma chair. Alléluia. On n'arrive plus, on perd des forces, mais c'est la chair derrière qui dit j'ai faim, je suis fatigué, j'ai sommeil, dors un peu, dors, non? J'ai mal à la tête. Mais tu peux reporter ces programmes de jeûne, non? Même à l'année prochaine, tu vas jeûner 21 jours. Tu vois? C'est la chair qui parle. Attention à la chair. Elle peut te faire rater les bénédictions de Dieu. Elle peut te faire rater même le ciel. Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Ceux qui écoutent leur chair risquent de rater les faveurs de Dieu et même de rater le ciel. La chair peut te faire pécher et t'amener dans des péchés que tu n'as jamais imaginés. Si tu laisses la chair te conduire, tu ne pourras jamais être un homme de prière. Tu ne pourras jamais être un homme d'abnégation. Les hommes de prière et les hommes d'abnégation, c'est ceux qui ont refusé d'écouter la chair. Et c'est un prix à payer, mes frères. Qu'on ne te trompe pas, je suis conscient que jeûner n'est pas facile. Mais c'est le prix à payer. Tu dois être un homme spirituel. Oui, on a tous faim. Et puis vous imaginez nous autres qui vous prêchons. Combien on redouble les énergies? Quelquefois on prêche le matin, on prêche le soir. On prêche quelquefois ailleurs, mais en jeûne. Vous imaginez? Alléluia! Mais on y arrive pourquoi? Par le pouvoir de la volonté. Parce qu'on a décidé de ne pas écouter la chair. La chair parlera toujours comme ça. Mais je t'encourage à la faire taire. Lorsque ta chair te dira, je suis fatigué, dis-lui non. Si tu es fatigué, tant pis, mais moi je dois chercher Dieu. Tu dois parler comme le psalmiste parlait à sa chair. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi les maux de tête là? Je n'en veux pas. Moi, je vais chercher Dieu. Je t'ai toujours écouté, je n'ai rien vu. Le temps est venu pour moi de chercher Dieu. Que quelqu'un fasse taire sa chair. Dis à ton voisin, fais taire ta chair. Fais taire ta chair. Qu'elle te dira vraiment. Tu n'as pas remarqué aujourd'hui les repas qu'on a préparés. Et puis vous savez, le diable est terrible. Il y a des jours où seulement vous choisissez de jeûner. C'est ce jour-là qu'on fait des repas préférés. Rien que les odeurs. Oh mon Dieu. Vous sentez la bonne odeur. Ça, ce sont des attaques. Une bonne odeur qui devient une attaque. Alléluia. Parce que ça menace votre programme de jeûne. Mais malgré cela, quand vous entendez ça, refusez d'écouter ça. S'il le faut, mettez un masque à la maison. Je ne vais pas sentir ces bonnes odeurs-là. Pour aujourd'hui, je cherche Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à être des hommes d'abnégation, des hommes qui refusent certaines choses. Alléluia. Et notez bien, le jeûne est une bataille contre la chair. Les jeûnes, c'est une bataille contre... La chair aime manger. La chair aime dormir. La chair aime suivre la télé. La chair veut chatter sur Internet. Et tu vas te remarquer que ces temps-ci, tu auras beaucoup de messages sur Internet, les réseaux sociaux. Certaines personnes même qui ne t'ont jamais écrite vont t'écrire. Et la chair va te dire, oh, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pour quelques minutes seulement. Mais quand tu entres pour quelques minutes, te voilà une heure, deux heures. Or, ce temps-là, tu devais plus l'investir dans la prière, à chercher Dieu. Ainsi, c'est une bataille. Et je déclare que tu gagneras cette bataille. Je dis, tu gagneras cette bataille. Parce que nous sommes des vainqueurs. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Alléluia. Plus tu jeûnes, tu prives à la chair la capacité de prendre le dessus sur toi. Plus tu jeûnes, tu prives à la chair la capacité de prendre le dessus sur toi. Un jeûneur, c'est quelqu'un qui prive à la chair de le dominer. C'est vous qui finissez par dompter votre chair. Elle veut des choses, mais vous lui dites non. Parce que vous avez appris à pouvoir dire non à la chair. Vous avez appris par le jeûne à désarmer votre chair. Alléluia. Et puis, qu'on ne vous trompe pas, n'est-ce pas que vous ressentez cette lutte-là? Levez-vous un peu. Tala bitumba. Bonsoir, Pasteur.
Avant, il y a des gens qui s'élevaient promptement. Tourne un peu. Tu peux sauter un peu. Et puis, vous savez, à partir d'ici où je suis, vous pouvez vraiment voir qu'il n'y a qu'une bonne partie qui saute là, les autres ici, non? Mais nous ne sommes qu'au deuxième jour. Quand on arrivera au 20e, je te demanderai de sauter encore. Alléluia. Mais Dieu te donnera la force. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Cette lutte qu'on ressent là en nous prouve vraiment la nécessité de jeûner. On doit jeûner. Bien aimé, si tu remarques que tu as l'habitude de trop céder à ta chair, ça signifie que tu as besoin du jeûne. Deuxième ennemi, c'est le diable. Le diable et ses démons ne te permettront jamais de jeûner. Parce qu'ils savent ce que cette pratique peut apporter dans la vie d'un chrétien. Le diable ne permet pas de jeûner. C'est pourquoi, bien aimé, je peux le dire sans crainte d'être contredit. Ce n'est pas Satan qui t'a envoyé ici. Si tu es venu chercher Dieu dans le jeûne et la prière, ça ne peut qu'être l'Esprit de Dieu. Parce que Satan ne peut pas te laisser jeûner. Il sait ce que le jeûne apporte dans la vie d'un chrétien. Troisième ennemi, c'est le monde et ses plaisirs. Le monde et ses plaisirs. La Bible dit, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car le monde est en inimitié avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et aimer le monde. Le monde, c'est quoi? C'est la vie du monde. C'est les habitudes du monde qui existent. Vous voyez? Les gens vont vous donner toutes sortes de théories. On va commencer à vous dire, vous voyez, frère, le corps humain, il ne faut pas trop jeûner, de peur que, il y a ceci, il y a cela. On va vous donner trop de raisons. Et puis, on va commencer à voir beaucoup de choses. Les gens, maintenant, aujourd'hui, vous savez, on était dans une église à Arlon. Arlon, c'est une des provinces en Belgique. Là-bas, parfois, quand ils jeûnent seulement. Leur jeûne, c'est que... ils n'entrent pas sur Facebook. C'est ça leur jeûne. Et ils ne font pas plus. Hein? Des fois, c'est ça. Pas Facebook. Bon, c'est vrai, ils se sont privés de quelque chose. Mais, il y a un modèle où on a pris un gouillard, papa. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils vont développer toutes sortes de théories. Mingi, mingi, mundele. Mundele, soro, qui a jeûne. Au moins, on a tongo à la mouki. Aliété. Mais à 12h, allez-y, déjeuner, naï. Oh, mais comment? On saute un repas, c'est tout. Vous voyez? Mais nous en Afrique, frère, on est braves. Acclame pour toi-même, frère. Alléluia. Et dans les plaisirs ici du monde, il y a tout ce que le monde nous propose, mes frères. Vous devez vous discipliner. Quand on jeûne, il ne faut pas aller dans les réseaux sociaux là-bas, y traîner, non. Ça serait difficile pour moi de te dire d'éteindre ton téléphone, non. Ça peut être un outil de travail pour toi, on doit t'appeler au boulot, ainsi de suite, c'est vrai. Mais n'allez dans les téléphones que pour des urgences. Est-ce que vous me comprenez? N'allez dans les téléphones que pour des urgences, des choses vraiment utiles. Pendant que vous jeûnez dans les 21 jours, n'allez pas traîner là à étudier la vie de quelqu'un. Tu as vu tel? Ah, il a acheté une voiture. C'est une distraction. C'est une distraction. Alléluia. Alors, comment s'y prendre concrètement pour réussir son jeûne? C'est par là qu'on termine. Comment s'y prendre concrètement pour réussir son jeûne? N'oubliez pas, je l'ai dit au début, je le répète, la réussite du jeûne tourne autour de deux axes majeurs, la motivation et le comportement durant le jeûne. Ainsi donc, il faut tenir compte de ça. Comment tu te comportes pendant le jeûne? Alors, première chose, pour réussir son jeûne, il faut avoir le temps de prier plus intensément. Prier plus intensément, prier intensément, intensément. Comme vous ne le faites pas d'habitude. C'est pourquoi, outre le temps où nous venons ici à l'église, ayez des moments personnels à la maison. Trouvez-vous une heure.
Si vous travaillez, ce n'est pas grave. Même à la pause, vous pouvez prendre un moment de prière. Gardez une pensée toujours orientée vers le Seigneur. Priez plus intensément. Jeûner, c'est avant tout réjouir de la présence de Dieu. Jeûner, c'est avant tout se réjouir de la présence de Dieu. C'est prendre du temps pour être disponible devant Dieu. C'est prendre du temps pour être disponible. On ne peut pas dire je jeûne alors que je n'ai pas un seul moment pour être seul avec Dieu. Le matin, il y a ici 3 heures intenses de prière. Viens prier, c'est une véritable école de la prière. On apprend à prier aussi des fois en priant. Mets-toi dans la prière, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Prie plus intensément. Deuxièmement, il faut avoir le temps de beaucoup lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Nous avons un programme de lecture de la Bible. Lisez cela, mes frères. C'est l'occasion de lire. Parce que prier n'est pas la seule façon de se tenir dans la présence de Dieu. L'on peut aussi être dans la présence de Dieu par la lecture de sa parole. Quand vous lisez la parole, vous êtes devant le Seigneur. Et vous l'écoutez, il vous parle par les Écritures. Ne priez pas seulement, lisez la parole de Dieu. Ayez le temps de lire. Lisez un chapitre le matin, à midi un autre, le soir un autre. Alléluia. Il faut beaucoup lire. Trois, évitez consciemment les péchés. Évitez consciemment le péché. Et engagez-vous à faire ce qui est juste. Évitez consciemment. Par exemple, vous êtes en jeûne, évitez des propos inutiles. Tout à l'heure là, j'écoutais ma radio, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire « Il est plus difficile de se taire que de parler. » Et c'est vrai mes frères. Ne pas parler, c'est une vraie lutte en face de parler. Vous savez, on a toujours envie de placer un mot. Quand on est avec les gens, on veut toujours dire quelque chose. Et puis, il y a des gens qui sont experts en ça. En tout cas, si on doit les évaluer en termes universitaires, ils devraient avoir des doctorats. Il faut toujours qu'ils parlent. Évitez consciemment. La bouche qui parle trop ne manquera pas de péché. C'est ce que la Bible dit. Quand tu parles trop, tu vas pécher. Tu vas pécher. Tu diras toujours un truc de trop qu'il ne fallait pas. Amen, amen. Pendant le moment des jeûnes, évite consciemment. Il y a des amis qui veulent tout ça, tu dis, non, vraiment là, je ne suis pas disposé. Tu évites consciemment. Tu sens qu'il y a une conversation qui se tient où on dit, tu fais semblant. Sois conscient de cela, partout où tu vas. Évite des péchés. Surtout pour nous les conducteurs. Hier j'étais avec les frères Vini dans la voiture, on partait là. Nos fameux jeunes gens ici, motocyclistes. Est venu brusquement, j'ai failli le tamponner, il m'a cogné à la voiture. Frère Vini m'a dit, pasteur, comment vous faites pour tenir en face de ça? J'ai dit, quelquefois je craque, frère. Alléluia. Quelquefois je... Mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Les 31 décembre, je sortais d'une retraite. Ce même jour-là, quelqu'un me cogne à l'arrière. Et puis, il s'est même insulté. Il dit, faute na yo. Tu cognes quelqu'un à l'arrière, tu dis, faute na yo. Quelqu'un qui est dans l'embouteillage à télé. Et puis, il dit, faute na yo. Vous savez, quand seulement il a cogné, oh Seigneur, aide-moi. Si c'est un examen, Seigneur, parce que si vous n'avez pas de contrôle, frère, surtout quelqu'un a dit, à Kinshasa Nanzela, Okobunda frère, Okobunda. Okamobundina mutuyo kazozolota, mento kozobunda. Alléluia. Et la façon dont les gens ont des langages. Oh! Bautindo. Hein? Kipe ayo, kipe ayo. Boni. Yo ebinga, yo zananini. Le kino est terrible. Hein? Il te cogne et puis tu veux le reprocher. Il te dit, Osana Nini. Il ne te connaît pas. Il dit, Osana Nini. Alléluia. Évitons le péché consciemment. Et engageons-nous à faire ce qui est juste. C'est en principe, c'est comme ça qu'on doit être tout le temps.
Mais quand on est à jeun, il faut qu'on redouble l'attention. Est-ce que vous me comprenez? En principe, on doit être comme ça tout le temps. Afin de ne pas détruire notre jeûne, nous devons redoubler l'attention. Faites ce qui est juste. Soyez tempérants avec les gens. Parlez correctement avec les gens. Évitez de placer des mots des inutiles. Restez concentrés dans votre programme. Alléluia. Quelquefois même, il y a des provocations. Vous n'êtes pas obligés de répondre, mes frères. Que Dieu vous donne la tempérance. Que Dieu vous aide à rester conscient et concentré. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 53 nous le dit. 58, pardon, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Les mercenaires ici, ce sont vos travailleurs. Vous les traitez durement. Tu dis non. C'est ces jours-là que vous vous querellez. Ces jours-là que vous tapez sur les autres. Non. On peut ne pas le faire physiquement, mais le faire dans le cœur. Attention. Soyons vigilants. Encore une fois, je le répète, le jeûne nous permet d'être disponibles devant Dieu, de dépendre davantage de lui. En jeûnant, nous plaçons Dieu en premier dans notre vie. Avant même ce qui reste une priorité, c'est-à-dire manger, nous plaçons Dieu avant manger. En jeûnant, nous mettons Christ au centre de notre vie, afin de le laisser agir en nous par son esprit. Jeûner ne consiste pas seulement à faire pression sur Dieu pour obtenir une intervention de Dieu, mais consiste surtout à nous aider à être transformés. C'est nous qui devons être changés. C'est nous qui devons enlever tout l'état qui nous empêche de bien évoluer dans les choses de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi pendant ces 21 jours, je prie que tu sortes comme un homme ou une femme transformé. Un homme et une femme changés. Qu'un autre toi naisse au-dedans de toi. Qu'une nouvelle chrétienne sorte de toi. Un nouveau chrétien sort de toi. Le moment des jeûnes, après le jeûne, ça doit être comme une mue. Vous connaissez la mue du serpent. Lorsque le serpent se débarrasse de sa vieille peau pour avoir la nouvelle, je prie Dieu que quelque chose de nouveau vienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ainsi, pendant ce temps, mes frères, soyez concentrés. Regardez à Christ. Attendez-vous à lui. Soyez sensibles à sa voix. Soupirez après sa révélation. Et même quand nous terminons ici, vous rentrez à la maison, vous vous reposez un peu, vous mangez un peu la nuit, réveillez-vous pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et vous allez voir, Dieu se révélera. Vous savez, tout ce qu'on fait là, les sacrifices qu'on peut porter en nous mortifiant dans le jeûne à chercher Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous nous manifesterons. Si Christ se manifeste en toi, tu ne peux pas être la même personne. Même les gens avec lesquels tu habites remarqueront que quelque chose de nouveau a commencé dans la vie de ses frères, dans la vie de cette sœur. Et je prie Dieu qu'il se manifeste dans ta vie. Dis Amen très fort. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous mes frères, on va prier le Seigneur. Donc voici donc ces quelques recommandations qui nous aident à bien réussir notre jeûne. Prenons le temps maintenant de prier le Seigneur. Levons-nous. On va prier le Seigneur.